Bonjour et bienvenue, nouvelle survie du week-end. On continue notre aventure dans le froid glacial de l'apocalypse hivernale du Canada. Bienvenue. Donc, en tout cas, le dernier épisode, c'est un épisode de farm et discussion qui a duré 2 heures. Donc, à vous de voir si vous voulez le regarder ou pas. Mais en gros, ce qui s'est passé, donc on était à l'aérodrome. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu au lac Mystère. Parce que vous savez vraiment que j'adore cette zone de l'aérodrome. Hein. C'est tout blanc, c'est tout plat, strictement rien, des kilomètres. Ah, j'adore vraiment. J'adore tellement en fait cette zone que j'avais vraiment pas envie de l'abîmer. Et je me suis dit, on va vite rentrer. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc si jamais vous avez pas vu cet épisode, ce n'est pas très très grave. On est juste rentré en fait au lac Mystère. Donc la dernière fois dans la survie du week-end, nous avons découvert le fameux bunker Omega. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Le fameux bunker Omega. Et on a récupéré bien sûr notre cagoule technique. Donc plutôt sympa. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, comme je l'avais dit plusieurs fois, donc on va se concentrer en fait sur le reste des transmetteurs radio qu'il reste dans le monde. Donc il en reste deux. Donc un au site de désolation qui est juste à droite là. Et après un autre qui est ici. Alors c'est à BlackRock. C'est à BlackRock. On m'avait dit que c'était à BlackRock. Donc celui de site de désolation, alors le transmetteur couvre les régions du site de désolation évidemment. Et aussi de l'autoroute côtière. Donc si on regarde la zone. Donc voilà, site de désolation et autoroute côtière. Donc ça fait ça. Donc vraiment cool. Et après nous on fera BlackRock. Donc on va faire ça en premier. Alors le site de désolation, je crois bien que à l'autoroute côtière, parce qu'on a une grosse base en fait à l'autoroute côtière. Nos deux grosses bases sont Lac Mystère et autoroute côtière. Après on a un peu du matos à la vallée charmante, mais c'est pas vraiment très très important. C'est surtout l'autoroute côtière en fait. Et du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va y aller. Et je crois qu'on a des câbles et tout ça, et des fusibles et tout. Au pire, on fera un aller-retour si jamais j'ai faux. Vu que je ne l'ai pas noté apparemment, j'ai cru l'avoir noté, mais je sais plus où du coup. Donc il me manque une batterie. Ça par contre, on n'a pas. Donc voilà la batterie qui vient directement de la crique lugubre. Parce que oui, j'ai fait un aller-retour. Mais j'avoue que je me suis amélioré dans le transport de batterie. Maintenant, on voyage extrêmement léger. Je pense qu'on va voyager de plus en plus léger aussi. Tiens, il y a ça que je peux poser aussi. Ça fera un peu plus de poids. Il y a aussi une chose. Dans l'épisode de Farm et Discussion, j'avais, on va dire, redécouvert la fabrication de munitions, parce que en fait vous pouvez donc recycler les balles et tout ça, et en fait vous avez une chance de récupérer les composants en fait des munitions. Donc là il est écrit, lorsque vous recyclez des munitions vous avez une probabilité très élevée d'obtenir des balles, la poudre de douille. Donc du coup j'ai lu ces deux livres, parce que j'étais niveau 3, j'ai lu ces deux livres et ça m'a monté niveau 4. Donc assez content de ça. J'ai l'impression que la fabrication de munitions monte plus facilement que le reste. Parce que là j'ai lu que ces deux livres. Que ces deux livres, donc de 5 heures l'un. Donc c'est des livres normaux, quoi, comme ça. Et du coup ça m'a pris un niveau entier. Parce que j'étais niveau 3 avec rien dans la barre. Et ça m'a directement monté au niveau 4. Donc je suis assez content de ça. Et vous voyez que ce que j'avais récupéré sont là. Donc les douilles de revolver, c'est important pour moi. Comme ça, on peut faire des appâts avec des douilles de revolver, même si c'est pas très très important. Mais voilà. Donc ça. Aussi, donc j'ai pris les tourtes. C'est des tourtes, ça. Les tourtes au gibier pour le poids maximum, bien sûr, 3 kg. On est à 32-39, donc c'est très très bon. Tous nos vêtements sont en très bonne qualité parce que j'ai utilisé bien sûr de ce qu'on avait en réserve pour réparer les choses évidemment, hein, parce que sinon on va passer un mauvais moment. J'ai un peu réduit mes premiers secours pour le feu, l'allumage de feu. Bon, ça n'a pas changé, de toute façon les allumettes ne sont pas très très lourdes. Le reste, je crois qu'on va prendre des grottes, donc j'ai voulu quand même prendre la lampe tempête, mais j'avoue qu'elle pèse lourd. J'avoue que la lampe tempête pèse lourd, et ça c'est un peu un problème, mais j'ai pas trop envie d'utiliser des allumettes pour le feu, donc on va se débrouiller comme ça. Limiter aussi les tissus, tout, voilà, enfin je me suis beaucoup limité pour pouvoir porter la batterie évidemment. Aussi, au dernier épisode, on était donc à l'aérodrome, je vais devoir dormir une heure je pense. On était à l'aérodrome et il y avait deux jerrycans, et on s'est fait un peu chier, mais j'ai récupéré les jerrycans et je les ai ramenés ici.
Pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que j'avais vu que l'aérodrome, c'est une zone d'extrémité de map, en fait, c'est une région d'extrémité de map, j'ai pas envie que des choses intéressantes, en fait, soient posées là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Jerrycan, c'est important. Et la dernière fois, en fait, j'étais de partir dans le délire où je parlais des nouvelles cartes, en fait, qui vont arriver dans The Long Dark. Et du coup, on est à 47-39. C'est quand même bien lourd. Hein, mais bon. Et du coup, c'est vrai qu'on devrait avoir des zones apparemment de mines et tout ça. Et je me dis que si jamais on a des zones comme ça où il y a beaucoup de tunnels et tout, bah autant faire un bon. On va manger ça. Ah bah, c'est quasiment fini. Okay, cool. Autant. Non, attendez. On va virer celui-là. Autant avoir une réserve de fuel, en fait. Tout simplement pour la lampe et tout ça. Parce que si jamais on doit passer notre temps dans le noir, autant avoir une réserve de fuel. Donc, du coup, c'est vrai que je suis parti sur le délire de prendre les jerrycans aussi qu'il y avait. Et de les ramener ici. Donc ouais, ça, on est blindé. Bon, après, ils sont pas tous pleins, évidemment. J'ai essayé d'un peu de pêcher aussi. Honnêtement, j'avoue que la pêche, c'est toujours une catastrophe. Alors, j'ai essayé de pêcher normalement, pas avec les nouveaux objets, parce que je voulais en fait monter de niveau. Il fait pas froid, ça c'est bien. Je suis assez content, parce que ça fait plusieurs jours en fait que je passe. J'ai eu beaucoup de blizzards, et je me suis dit, il me faut une journée. Donc là, bon, on est genre l'après-midi déjà, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Il me fallait une journée qui fasse un peu beau et tout pour commencer l'épisode, donc ouais, je suis assez content de ça. Et surtout nos vêtements, ils sont très très bonnes. Là on est à zéro quand même, hein. Mais on n'est pas, c'est bête, c'est bête, c'est bête. Nos habits sont en très très bonne qualité là, donc ça se passe bien. J'ai que 5 flèches sur moi, j'espère que ça sera suffisant. Ça aussi, il faudra faire attention. Donc tout ça pour dire que voilà, les jerrycans sont ici, et comme j'ai dit, j'ai voulu pêcher, j'ai attrapé genre je crois 2 poissons en genre 6 ou 7 heures de pêche avec hameçon et appât. Donc yay. En plus j'avais récupéré des poissons qui faisaient 1300 calories, des trucs comme ça, je les ai transformés en appât et ça m'a donné du coup 13 appâts, parce que 100 calories je crois que vous donne un appât du coup. Et du coup j'en ai 13, et ouais, j'ai été un peu dégoûté quand j'ai vu que j'ai récupéré que 2 poissons sur un nombre exorbitant d'heures de pêche. Pourtant je suis niveau 3 je crois, hein, donc bon, enfin, c'est un peu relou. Honnêtement, la pêche reste extrêmement extrêmement relou. Les pourcentages sont extrêmement bas de récupérer les poissons, donc vraiment chiant. Il nous faut des livres en fait. Il nous faut absolument plein de livres de pêche à lire. C'est vraiment que ça quoi. Qui peut changer la donne. Un peu comme la fabrication de munitions. Ça, je suis content. J'ai été même surpris quand même, encore une fois, que deux livres me montent niveau 4 directement. Mais au moins, c'est fait. Donc, ouais. On avance tranquillement. On est sur du territoire qu'on connaît, qu'on a déjà visité. C'est pas très grave, mais voilà. Ah, il y a des lapins maintenant, ça y est. Mais ouais, on va faire ça. Ça va être nos missions, nos 2 missions pour le moment. Alors bien sûr, faire celle du site de désolation. Bon, on l'a déjà vu, on a déjà fait la zone et tout ça. Je sais, c'est pas de nouveau, mais voilà, ça fait une mission à faire. Et après, bien sûr, Blackrock, ça, ce sera tout nouveau, donc on fera tout Blackrock en entier. Donc ça va être fun, ça va être fun. Je me rappelle plus vraiment comment aller à Blackrock, je vais être honnête. Donc je vais devoir me renseigner. Je vais devoir me renseigner. Ah, il y a un cerf là-bas. Me renseigner sur mes propres aventures. Il y a des lapins aussi. Donc ouais, ça va être un peu embêtant. Par contre. J'aime beaucoup aussi le sac de couchage, je l'ai déjà dit là plusieurs fois, mais c'est vrai que le nouveau sac de couchage est vraiment sympa. Nettement moins lourd que celui de l'ours.
est plutôt bon quand même. Donc je pense que je vais commencer à vraiment sortir avec ça. On va dire que quand on fait des... Quand on va dans des endroits assez assez loin, on va peut-être prendre celui-là au lieu de celui de l'ours. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait, vraiment. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Bon, ben ça va, on a un beau temps, je suis content. J'ai attendu quelques jours quand même pour l'avoir, ce beau temps. Donc je le mérite. Je le mérite. Donc c'est plutôt sympa. On va faire attention parce que des fois il y a des loups ici. Il y a des trucs qui bougent ou pas? Non. Est-ce qu'on s'arrête? Non, on va pas s'arrêter. Ah non, on n'a pas besoin de s'arrêter. Et aussi le fait que on a une batterie qui est lourde, 15 kg, une fois qu'on l'aura installée. Ah, je suis en train de me dire, il me faut des morceaux de métaux pour la tour radio. Et j'ai pas de métal. J'ai pas de scie sur moi, je l'ai déposé. Merde. Normalement, on devrait avoir une scie à l'autoroute côtière. En tout cas, là, je pense. J'espère. On verra. On verra. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ah, ça m'a... Ouais, là, ça m'a déstabilisé. Là. Ah, j'espère vraiment qu'on a une scie. Ça m'étonnerait qu'on n'en ait pas, honnêtement. Je serais très très surpris qu'on n'en ait pas là-bas. Mais ouais, il faut 5 morceaux de métal. Il peut y avoir des loups ici ou pas? Je suis pas très sûr, je crois pas. Hein. Ça c'est bien, c'est vrai qu'il y en a plein ici, hein. Beaucoup de gens m'ont dit, moi je viens ici pour faire le plein d'écorce là, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est un super endroit. Hein. Faudrait qu'il y ait plus d'endroits comme ça où vous pouvez trouver des choses un peu précises. Genre ici c'est les écorces d'arbres là. C'est vraiment vraiment bien. Là, un truc qui se balade. C'est un cerf. Ouais, c'est un cerf. Donc, ouais, ça c'est vraiment sympa. Ouais. Oh là là, comment il y en a. Oh là là, il y en a plein, quoi. C'est énorme. Super. Ah mais c'est terrible. C'est terrible. Vache. Faut que je vienne plus souvent ici en fait. Vraiment cool. En tout cas on a une bonne température. Ça change de l'aérodrome. Oh là là. Ah c'était la galère. Et ça a duré longtemps, honnêtement, le fait de prendre l'aérodrome et de repartir, de revenir en fait au lac Mystère, ça a pris quand même pas mal de temps. Il faudrait que je redescende la corde et que je la remonte pour aller récupérer un stimulant. Il y a un stimulant en bas dans le train qu'on m'avait fait voir, que j'avais complètement zappé apparemment, j'avais complètement loupé, mais bon, pas trop trop grave. On le récupérera un jour, j'imagine. Il est juste dans le wagon jaune. Donc ouais, l'épisode de farm et discussion, comme j'ai dit, hein, vous n'avez pas vraiment besoin de regarder ces épisodes-là, c'est juste des épisodes bonus. Mais ça nous a pris 2 heures hein, quand même
pour revenir depuis l'aérodrome. C'est quand même bien long. Ouais, on est arrivé, on avait quoi, 60-70% de vie. Donc j'ai dû passer quelques jours à manger, boire, me reposer. C'est un peu ça le côté un peu chiant des fois. Où il faut passer du temps à se remettre sur pied. Mais bon, ça va. Honnêtement, ça va vite. Je vais pas non plus exagérer en disant que c'est embêtant ou quoi que ce soit. Non, ça va quand même vite en 2 jours. Si vraiment je suis très très mal en point, il me faut à peu près 2 jours. Et au pire, j'ai toujours des tisanes que j'utilise jamais. Il y a les tisanes, je les utilise, mais vraiment jamais. Peut-être qu'on en a quoi, une seule, je sais pas. Depuis qu'on a commencé notre survie. Par contre, les thés ou tisanes, je sais plus le nom de ça, avec les bouleaux là, avec les écorces, ça, si je prends l'habitude de venir ici de temps en temps après, j'imagine que ça, les écorces tombent après les tempêtes, un peu comme les petits bouts de bois, si vous n'étiez pas au courant. Normalement, après chaque tempête, il y a beaucoup de bois en fait au sol. C'est comme ça que le bois est renouvelé en gros. J'imagine que c'est un peu pareil avec les écorces, mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne l'habitude de les utiliser, du coup, parce que ça, c'est renouvelable, par exemple. Et ça remet de la vie et tout, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Mais j'avoue que des fois, je suis un peu trop bloqué sur le fait de rien utiliser bêtement, hein, tout simplement, hein, parce que, voilà, survie... J'avoue. Ah, c'est bien quand on a des vêtements tout réparés. Là, on a les meilleurs vêtements. Ils sont quasiment tous entre 90 et 100%. Donc là, du coup, on est très résistant. Je suis content. Vraiment très content. On se fatigue pas des masses. On avance très vite. Voilà, le temps... honnêtement, on avance très vite. Donc très content de ça. Bah voilà, ça va être un bon chemin, une bonne petite aventure. Je pourrais dessiner, mais j'ai enlevé tous les charbons, évidemment, parce que ça prenait du poids. On n'a pas trop faim, trop soif, ça va. Centre. En plus, techniquement, je crois... Pardon. Je crois que je suis à 47 ou 48 kilos. 47, je crois, quelque chose. Je pourrais, genre, manger... Non, attendez. Je vais faire attention. Je pourrais manger une des nourritures, là, on monterait à 48 kilos, du coup, maximum. Donc, du coup, on ne serait même pas encombré. Donc, voilà, ça me plaît. Donc, si jamais on a vraiment une corde à prendre pour quoi que ce soit, bon, on peut faire ça. Et aussi, j'ai pris ça, là, les tartes au sino, parce que ça vous... maintien éveillé. C'est un peu comme, c'est comme le café en fait. Ça fonctionne pareil, sauf que là c'est de la nourriture et c'est un peu plus simple à faire en fait. On peut en faire beaucoup plus que le café honnêtement. Parce que le café, bah, il faut le trouver. Et c'est tout le temps limité par le nombre de boîtes que vous trouvez. Là, les tartes, c'est un peu plus simple à faire. Ben voilà, autoroute côtière. L'autoroute côtière, c'est pas trop compliqué en fait à y aller depuis le... Le lac mystère, on peut même sprinter et tout. Là, je sprinte pas pour éviter de me fatiguer, évidemment. Quoique, honnêtement, je pourrais un peu sprinter parce que on devrait dormir. Ouais, on peut sprinter un peu. Mais si on doit faire un aller-retour, c'est pas trop grave.
Attendez, on va boire et manger. Très bien. Par contre, je risque de faire une pause pour aller regarder qu'est-ce qu'il faut en matériel pour les antennes. Parce que ça fait un petit moment en fait que j'ai pas réparé les antennes, donc j'ai un doute. Alors donc bien sûr, évidemment, la batterie. Après, je crois que c'est 3 fusibles. 3 câbles peut-être. Je sais pas si c'est 3. Et après, c'est 5 morceaux de métal, je crois bien. Je pense que c'est ça, c'est 1, 3, 3, 5. Et après, si jamais... Ah, il commence à faire du brouillard, ça c'est embêtant. Si jamais il nous manque du matos... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas un nid d'oiseau ça? Ou je sais pas, les gens m'avaient dit des fois qu'on trouvait des nids, j'en sais rien. C'est normal, ça ressemble, le sol en fait ressemble à aux arbres à glands là, sauf que ça, c'en est pas. Hein. Par contre, je suis pas fan du brouillard, j'avoue. Regarder ce qu'il y a là-dedans. Enfin, j'hésite. Je me dis, est-ce que on dort une heure? Mais je pense pas que le brouillard il va partir, honnêtement. Après, on est honnêtement, c'est pas très très difficile. Je crois qu'on est là, mobilhome, donc on peut directement descendre. Ouais, non, honnêtement, ça se passe. Je pense pas que ça va être trop difficile, faut juste bien écouter. Faut juste bien écouter si jamais on se fait courser par un truc. C'est souvent comme ça, quand il y a du brouillard, il fait pas trop froid. J'ai remarqué. Mais bon, c'est pas vraiment conseillé de sortir dans le brouillard, hein, comme d'habitude. Encore une fois, pour les gens qui voulaient que j'explore un peu plus l'aérodrome... Je sais qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu visiter encore un peu, mais l'aérodrome est vraiment trop grand. Pour ce qu'on trouve, en fait, c'est vraiment trop grand. Donc, c'est pas vraiment très fun pour moi. Je parle un peu moins parce que, vu qu'on voit pas grand-chose... Ok, donc là, on doit être parallèle à l'autoroute qui doit être juste là. On va essayer d'aller se reposer directement à notre camp. Si on n'est pas extrêmement fatigué, donc autant en profiter. Et puis il fait bon, surtout. Donc autant en profiter. Alors je sais qu'on est lourd, hein, mais bon. On devrait pouvoir tenir le coup.
Et une fois qu'on sera à notre camp, on pose la batterie, on passe la nuit. D'abord, je vais peut-être faire un tri du camp et voir ce qu'on pourra ramener. Je crois qu'on avait laissé des jerrycans et tout ça aussi, là-bas. Donc c'est possible qu'on les ramène au lac Mystère. Enfin, au lac Mystère, j'en ai déjà 4. C'est peut-être pas le plus important, mais il y a peut-être d'autres choses, en fait. Putain de merde, je m'y attendais pas. Il fait sursauter ce con. Il est où? Ah, il est là, je crois. Ah, il m'a fait sursauter d'une force, quoi. Incroyable. Même pas. Le bon que j'ai fait encore. Ah, j'avoue, dans la brume comme ça, c'est un peu... Il est en train de me courser parce que je cours trop vite sur la route. Que je fasse attention parce que il va peut-être pas être le seul. Je crois qu'il nous a lâché. Pas du tout. Ah, j'entends le. Il y a eu le son de la pêche. On avait laissé des trucs de pêche apparemment. C'est embêtant parce que je crois qu'on m'avait dit depuis une certaine mise à jour, genre le fait de rentrer accroupi dans les véhicules nous fait directement être debout quand on ressort. Honnêtement, c'est une très mauvaise mise à jour ça. Toujours après nous. Oh, bah, je crois qu'on est arrivé. Ouais, je reconnais, là on est arrivé. Il faut faire gaffe qu'il y a peut-être des gens. Enfin, pas des gens, mais des bestioles. Côtière, très bien. Restons calmes. Go, 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 go. Ouh, let's go. Let's go. Alors. Déjà ça, ça va se mettre ici. Ouh, alors c'est vrai qu'on avait pas mal de choses qu'on pourrait ramener. On a quoi d'autre? Des fusées de détresse. Ok, ok. Allez, on a pas mal de... Ouais, tout ça là, ces petites choses, ça peut être intéressant. Une petite qualité, une scie à métaux, comme je l'avais prédit. Qu'est-ce qu'on a encore? Flèche simple, plus de flèche douce. Ah oui, on a beaucoup de plumes. Très très bien. Ouais, donc ça c'est bon. Ah bah tiens, on a tout ce qu'il faut en fait. On a absolument
tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut et plus. On a tout ce qu'il faut et plus. Ouais. On a vraiment tout ce qu'il faut et plus, en fait. 158 allumettes. On les prendra après. On les prendra après. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a des livres intéressants? Ça, mais je l'ai déjà lu. Déjà lu. Bien, fais tout. Regardons la nourriture. Bon, ça va, nickel, nickel. Content. Alors, ah oui, c'est vrai que j'avais fait pas mal de pêche ici. Oh mon dieu, c'est pas cuit. C'est pas cuit. Ah ça c'est cuit. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait vraiment un bordel monstre ici en fait. Ah, on avait le poisson bizarre là. Poisson d'eau de mer coloré et carnivore. Il est joli hein. Ah, on avait pas mal de choses. On a aussi le sébaste. On a le saumon argenté. Ah, ils sont horribles hein, quand ils sont détériorés. C'est dégueulasse. Regardez-moi les yeux. C'est immonde. C'est immonde. Bon, bah c'est bien. Bon, bah très bien. Je suis content. On est arrivé à bon port. On est nickel. Qu'est-ce qu'on fait pour passer le temps? Qu'est-ce qu'on prendra? Enfin non, on fera le tri quand on reviendra. Enfin, on fera le tri quand on reviendra. Alors, j'ai ça. Il y a un truc que je trouve un peu ridicule, en fait. C'est qu'une fois que vous êtes cuisine 5, je l'avais dit plusieurs fois, ça. Faudrait plus qu'on ait cette croix et le mauvais état et tout ça. Genre, en fait, faudrait que les croix n'existent plus. Parce que si on met ça dans un récipient, vous savez que ça, une fois que c'est à 0%, ça se détruit, en fait. Automatiquement. Et en fait, bah, faudrait plus avoir ce système-là quand on est en cuisine niveau 3. Parce que du coup, on peut plus laisser les choses en fait dans les containers. C'est très très embêtant. Faudrait que ça reste à 1%, ou j'en sais rien. Ou juste qu'il n'y ait pas cette croix, quoi. Bon, du coup. Alors. 3. 5. On est à 34. On est bien. Ça, il faudrait que je le répare un peu. Ah, mais c'est un duvet. Quoi? Combien? 5? Il faut quoi? Il en faut 10 pour les faire? Je me rappelle plus. 10. Ouah, c'est 5 pour le réparer. Ah, ça fait un peu cher. Ça fait cher la réparation. Hein. Ça fait un peu cher la réparation. Il y a tellement de trucs à prendre. Ouais, on... non, enfin tellement de trucs. Non, il y a beaucoup, mais c'est pas très lourd. Mais ouais, je vais me faire plaisir et récupérer des choses. Qu'on amène tout ça à notre camp principal. Genre, on peut prendre une pierre à aiguiser, une boîte de design, une boîte de café. Peut-être un outil de qualité en plus. Ouais. Après, toute la nourriture, je sais pas si ça vaut le coup de le prendre ou pas. Je sais pas très très utile, mais dans un sens, c'est pas si mal. Bon, bah, j'ai honnêtement rien à faire. Je crois qu'on va juste dormir. Par contre, je risque de faire une pause pour aller regarder si c'est
3 câbles ou 5, mais je crois que c'est 3 au final. Je crois que c'est 1, 3, 3, 5. On est bon. On n'est pas extrêmement fatigué. On peut peut-être faire un tour, récupérer du bois, à la limite. Ça pourrait être une solution. Ou alors chasser un peu ce qu'il y a autour de nous. Histoire d'être un peu plus à l'abri. Je crois que du bois, j'en ai pas trop en fait. J'en ai plus trop vraiment. C'est pas extrêmement froid, donc on pourrait en profiter. Je devrais pas ranger mon arc parce que il y a quand même des loups qui se baladent. Enfin non, le loup qui était venu, il vient de loin, donc en fait il n'y a peut-être personne. Maintenant que j'y pense. Vous voyez? Il n'y a que la hache, ça par exemple. Ça marche que avec la hache, donc du coup. J'ai entendu un truc qui se baladait. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Il est juste là. Ah, je crois qu'il a eu peur. Mais il est juste là. Je crois que je peux dormir ici, je me rappelle plus. Ah, attendez, est-ce que c'est là? Ou c'est en haut? Ouais, non, il y a un lit. Ah, on va peut-être dormir. Attendre qu'il fasse jour, quoi. 25 minutes, très bien. Ouais, ça, il faut absolument que je les utilise plus souvent parce qu'au final. Vu qu'en fait, c'est. Pour moi, ça, c'est le plus utile des trois là. Qu'on a. C'est le plus utile. C'est le plus important. Non, pas l'utile, mais c'est le plus important. Et pour moi, dans ma tête, c'est celui qu'il faut garder le plus. Mais en fait, c'est faux. Parce que ça, c'est pas renouvelable. Une fois qu'il n'y en a plus dans le monde, il n'y en aura plus du tout. C'est fini. Alors que ça, théoriquement, c'est renouvelable. Donc, en théorie, bah, je le fais pas dans le bon sens. Je devrais plutôt utiliser les bouleaux, les tisanes de bouleaux. Mais après, comme j'ai dit, hein, vous ne pouvez pas les récupérer vraiment partout, quoi. On a vu que c'était assez rare. Il y a juste certains endroits qui en ont pas mal. Et là, on a eu 3-3 et on a ça aussi, ça on s'en fout. Donc ouais, on a 6 morceaux de bois, c'est très bien. Alors, on se réveille en pleine forme. Attendez, est-ce qu'on a 33? Je vais en faire un deuxième. Je passe beaucoup de temps à coudre. Voilà, très bien. Ben, il n'y a rien d'autre à faire, vraiment. Ouais, pas encore. Histoire que il fasse jour.
Très bien. On va peut-être passer par l'autre. Il y a une deuxième porte ici ou pas? Non. Ah, quoique. Non, si, 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 si. Peut-être plus safe de ce côté-là. Bon, bah, c'est bon, on peut partir. On a le matos. Très bien. Fouf. Très bien. Ça. Parfait, on va boire. On va prendre 2 litres de plus. On est à 50, 50 ça va, c'est pas la mer à boire. Donc on a ça, 3, 3, 1 et 5. Où le métal? Le métal, c'est bon. Alors, on est un peu lourd, hein, mais... On y va. Ah, il y a un loup. Vient directement sur nous. Je fais ligne droite pour gagner du temps. Par contre, là, il fait un peu froid. Mais bon, c'est pas trop grave. Là, ça serait bien d'avoir, de pouvoir faire du feu. J'aurais bien voulu qu'il fasse clair, comme ça on fait du feu avec la loupe, comme d'habitude, et on se réchauffe. Mais bon. On peut pas tout avoir. Ah. Depuis un petit moment, il réagit souvent comme ça. Je sais pas trop ce qui se passe. J'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe, en fait, là. Il nous a perdu de vue. Et après, il nous a ressenti. Et du coup, il a eu peur parce qu'on a des manteaux en ours. C'est ce qui vient de se passer, là. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment. On va se remettre sur la route. Après, hein, on a quand même beaucoup d'allumettes, donc en théorie, je pourrais faire beaucoup plus de feu que nécessaire, mais bon. Aussi, pour ceux qui sont pas au courant, on attend une nouvelle mise à jour. Il n'y a pas eu
Il n'y a pas eu d'annonce officielle au moment où, où je fais cet épisode. Je vais être franc. Mais y a des rumeurs qui sortent. Mais bon, je pense que les rumeurs, elles viennent surtout de nous, les joueurs. Que ça serait le Puma, la prochaine mise à jour. Ça serait quelque chose de gros, en tout cas. Bah, de toute façon, après, je vais être franc, il reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose, au final. Donc, du coup, ça peut être que être des trucs gros, en fait. Et si c'est le Puma, je pense que, du coup, ça va être avec une nouvelle zone. Alors, si jamais... C'est un peu embêtant, parce que si jamais on est à Blackrock, imaginons... Parce qu'en fait, on va avoir un peu le même système, si... Où est-ce qu'on va être au moment où les nouvelles choses sortent? C'est un peu ça le truc. Si jamais on est à Blackrock pendant que ça sort, ça dépend où est la zone. On partira peut-être de Blackrock. Après Blackrock, bon, c'est pas... Enfin si, c'est quand même grand. Non, si, c'est quand même grand. Il y a la prison à faire déjà, alors ça va nous prendre un petit moment. Puis après il y a tout le périmètre extérieur de la prison. Et après ça, il y a toute la région en fait. Il faut faire un grand cercle pour tout visiter. Donc, ouais, non, c'est grand. C'est quand même très grand. Donc, ouais, ça dépendra. Si jamais on est trop occupé, qu'il reste encore trop de choses à faire à Blackrock et qu'il y a une nouvelle région et tout ça, avec Puma et tout, genre vraiment... Du contenu, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est pour juste aller visiter une zone comme l'aérodrome où il n'y a strictement rien pour nous à faire, non, je vais pas m'arrêter en pleine exploration pour y aller. Mais si jamais il y a vraiment beaucoup de choses, oui, on sortira et on va privilégier en fait le contenu, le nouveau contenu. Mais bon, ça dépendra de comment ça sort, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre au sous-sol et dormir une heure pour se réchauffer. Parce que dit Puma, dit potentiellement Travois, dit nouvelles zones à explorer... Donc ça, c'est du contenu. Ça serait intéressant. Ça serait très, très intéressant. Mais je vais être franc. Moi, j'attends beaucoup plus c'est quoi le réchaud, là? Attention, il y a peut-être des loups là. Mais ouais, genre le récipient pour garder le. Pour garder les liquides au chaud. Moi, je suis nettement plus impatient pour ça hein, que le travois, je vais être trop honnête. Hein. Voilà. Ah, c'est sympa, mais pour pouvoir rester en fait au chaud pendant plus longtemps, c'est encore plus intéressant pour moi. Ok, très bien. Là, hop. Nickel, dormir une heure. Parfait. On est reparti. Je pourrais utiliser
Pour avoir un peu moins, pour être un peu moins lourd, je pourrais utiliser les petits pains, mais bon. Si on n'en a pas vraiment besoin. Bon bah ça va, ça s'est éclairci. Ça c'est cool. Je me suis même pas baissé quand je suis sorti, ça c'est... Attends, j'ai pris mon sac de couchage. Je me suis même pas baissé, faire attention à ça. Ah attends, est-ce qu'on doit prendre une grotte là? Une mine? J'ai oublié comment ça fonctionnait. Ah merde, je crois que oui. Oh, c'est chiant. Putain de toi. Vache, mais pourquoi je suis sursaute comme un débile? Qu'est-ce qui m'arrive, bordel? Je les vois pas venir, c'est fou. Non, en plus, je passe jamais par là. Je sais pas pourquoi je passe par là, maintenant. Non, mais sérieux, sans déconner, quoi. Ah non, c'est juste parce que je les vois pas venir, en fait. Eh ouais, il faut monter là. Putain. J'espère qu'il est pas en train de me couper, mais normalement non. Ah, lapin. Lapin, sauve-moi! C'est par là ou à droite? Je crois que non, je crois que c'est là. Ouais, enfin, tu m'aides pas beaucoup le lapin. Là. Non, mais ça va, il peut pas monter par là. Aïe aïe aïe. Ah, les sauts que je fais, quoi. Incroyable. Ah ouais, on doit se taper ça. C'est vrai que j'avais un peu oublié le coup de la grotte. Enfin, de la mine. Si jamais on a un puma avec une nouvelle région, ça va être montagne, je sais pas trop quoi. Donc ça va être une zone avec plein de montagnes et tout, enfin bien montagneuse quoi. Ça risque d'être fun. Ça risque d'être fun. Après, j'espère pas que ce sera des zones complètement vides, genre de bâtiments et tout ça. Là. Ça sera embêtant. Mais j'avoue que je recommence doucement à être impatient. C'est vrai que là, j'ai mis, j'avais mis The Long Dark de côté pendant un petit moment. Et ça m'a fait du bien, franchement, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Mais ouais, là, je recommence légèrement à être impatient pour la suite. Et voir ce qu'on peut faire comme, comme nouvelle aventure. Il y a plein de charbon partout. Si on pesait pas 150 kg, j'aurais vraiment récupéré tout le charbon pour faire un tas là, genre à l'extérieur, bah là comme on avait fait là par exemple. Alors, on va pas descendre, ça sert à rien. Enfin, pas la corde en tout cas, ça sert à rien.
Par où je passe? C'est le bon chemin là? C'est moi ou j'ai vu un cerf? Ouais, c'est un cerf. Ça. Un cerf juste là? Il n'y a pas qu'un cerf apparemment. On va éviter de trop se faire voir. Ah. Non, ça y est, il l'a attrapé. Alors, on va faire ligne droite, je pense. Ouais, on va pas faire de pause au phare. Ah, peut-être en revenant, parce que je suis curieux, en fait. Je voudrais vous montrer l'emplacement d'une carte postale pour vous donner une recette, en fait. Parce que la fois où j'y étais allé, c'était, je crois, ou pendant un stream, ou alors un épisode, je sais pas. C'est où, en fait, une recette, en fait, n'était pas apparue pour moi. Et c'est là où j'ai décidé de sortir les grands moyens. Mais ouais, du coup, maintenant, ça a été corrigé. Genre, ça a pris 3 semaines à être corrigé, quand même. C'est un peu exagéré, mais bon. Je voudrais bien aller voir, par curiosité. Parce qu'on avait déjà trouvé une recette... à l'aéroport, du coup, l'aérodrome. Lapin. Est-ce que je peux passer par là, moi? Eh ben, beaucoup de loups sont occupés ici, hein. Vache. Bah, tant qu'ils sont occupés, mais pas avec moi, moi, je suis content. Je vais vraiment pas me plaindre. Je crois le dernier stream que j'avais fait sur... sur farm et discussion. Le stream, hein, je parle pas des épisodes normaux. On s'était arrêté genre au phare et c'était pendant la nuit avec une aurore boréale. Et du coup, le phare était allumé. Oh, la lumière qui fait le phare, c'est abusé. C'est vraiment stylé, honnêtement. Là, on avait fait un feu. Je sais plus exactement pourquoi. J'avais chassé une bestiole. J'avais peut-être chassé un élan. Je sais que j'avais trouvé un élan ici. Mais je me rappelle plus exactement où. Donc, faut faire gaffe aussi. Nous, on va devoir bifurquer sur la droite bientôt. Ouais, c'est juste là. Ouais, c'est là. Et l'ampoule. Oh, il y a un ours. Bon, bah, ligne droite. L'antenne, elle est juste ici. Ça va, Winnie nous chasse pas. Très bien. Quoi ce bruit? Quelqu'un qui vient de sortir pour nous accueillir, c'est ça? Par où on passe? Je m'en rappelle plus. Par là.
On va se mettre là. Histoire de se réchauffer vite fait. Elle est où la porte? Elle est là. Okay. On va manger. Voir. Très bien. J'espère qu'on va pas se faire déranger pendant qu'on travaille. Ouais, ça va, notre chaleur devrait être ok. C'est parti. Allez, travaillons vite. Déjà, la batterie. Fusible. J'écoute si jamais il y a des trucs qui sont en train de venir dans notre dos. Non, ça va. Câble. Donc est-ce que c'est 3 du coup? Ouais, je pense que c'est 3 en fait. 1. Et... Enfin, ça fait 2. Non, ça doit... Ah non, c'est 2. C'est 3 et 2 en fait. Et les parties métalliques. Donc c'est 1, 3, 1, 2, 3, 5 en gros. En fait qui s'affiche. Ouais, on est bon. Site d'isolation, transmetteur de la région du site d'isolation et d'autoroute côtière. Ouais, c'est bon, il est opérationnel. Nickel. Nickel, nickel. Alors, est-ce qu'on a de la nourriture ici? J'avais laissé ça apparemment. Bon bah du coup on va s'arrêter là, en plus ça fait 1 heure. Bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va potentiellement s'arrêter là. Faudrait peut-être que je chasse et fasse de la nourriture. Pour qu'on tienne. On peut faire du feu là, intéressant. Et comme ça, ce qu'on fait, c'est que on attend la nuit et en théorie, on devrait avoir une aurore boréale. Et le prochain épisode, en gros, c'est l'aurore boréale, quoi. On va prendre ça. Comme ça, on pourra peut-être trouver une cache. Ça serait cool. Bah, je vais pas dormir maintenant parce qu'en fait elle est pas très. J'en sais rien en fait. Je sais pas. On va juste sortir, rentrer, histoire de sauvegarder en fait. Parce que je me dis, si je dors maintenant. Bon, on va sûrement être la nuit, mais je voudrais peut-être faire à manger avant. Genre trouver un loup, un truc comme ça. Pour. Bah, après, on a beaucoup de calories encore qui nous restent. L'eau en est bon, il n'y a pas de problème. Mais histoire d'avoir quelques steaks, en fait, en avance. Ouais, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Non, c'est un très bon épisode, du coup. Super épisode, mission accomplie. Nickel, pas de problème. Vraiment, 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 vraiment cool. Donc, ouais, c'est ça. C'est un. Donc, une batterie. Deux câbles.
3 fusibles, 5 morceaux de métal. Ouais. Donc nickel, honnêtement nickel, on a tout fait en une fois, c'est super. Donc prochain épisode, on le passera encore ici. On va voir un peu si normalement on devrait avoir une aurore boréale. À chaque fois qu'on répare donc une antenne, on devrait avoir une aurore boréale la nuit d'après. Peut-être qu'on enchaînera aussi sur l'aurore boréale de l'autoroute côtière, peut-être. Voir si on peut pas trouver des caches supplémentaires. Enfin, en plus de celle du site de désolation. Et puis voilà. Puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.